Les amis, faut peut-être que je finisse ce Let's Play quand même, finisse ce Call of Duty Vanguard. Même si vous êtes que 40, 30 à le regarder et 10 à le finir, c'est pour toi, c'est cadeau. N'oublie pas de lâcher un like, comme ça, cadeau aussi. Et on est parti pour l'avant-dernière mission, les rats de Tobruk. Donc ça va être le flashback de ce monsieur, je ne sais pas comment il s'appelle, puisque les personnages, on s'en bat les steaks. Allez, c'est parti. Reprendre, non, redémarrer en commando. C'est parti. Tobruk, j'ai aucune idée où c'est. Hein. Insolent, grossier, habitué des séjours en prison. J'ai nommé Lucas. Lucas. Il faut reconnaître que le SOE a un don pour dénicher des talents dans des endroits improbables. Car oui, Lucas avait du talent. C'était un expert en démolition au tempérament explosif et à la langue bien pendue. Dans le désert, les rats de Tobruk étaient une véritable famille. Malheureusement, ils n'ont jamais vraiment supporté l'autorité. Quand tu veux, princesse. Je savoure ce moment. Bon, bien entendu, toutes mes excuses, votre majesté. Hé, hey, Louis, avec toi. Ah, ils sont australiens, ok. Ah, oh, bordel, pose-les tes cartes, putain. D'accord, Dez. T'as plus qu'à chialer. Oh, espèce de salaud, j'y crois pas. Je peux savoir pourquoi vous êtes pas à vos postes. Major Rams, vous pensiez vous la couler douce. Major, le convoi approche. Bien. Vous, les rats, suivez-moi. Pour une fois, comportez-vous en soldat. Allez, les rats. Monsieur. Monsieur. Oui, chef, non, chef. Tu vois, c'est ça qui ressemble à un vrai soldat. Mais... Prends tes cartes, bonhomme. Que tu sais lui tenir tête, Louis. On va en avoir besoin dans l'au-delà. Let's go. C'est quoi qu'on joue? Une Owen. Il paraît que c'est une arme très forte en multi. Ça vise vite, c'est bien. Et j'ai Tobruk. Ok. Bon, j'ai arrêté les vidéos en 1440 parce que personne ne regarde en 1440 déjà. Hein, voilà. Et puis voilà, c'est tout. On est retourné sur le 1080p. Qu'est-ce qu'il y a en bas là? Des munitions? Les explosifs sont prêts? Oui. Lucas et moi les avons placés nous-mêmes. Monsieur. Monsieur. Prenez vos positions. Le timing doit être parfait. J'ai besoin que... Bah, je sais pas où est l'explosif en fait. On les a en visuel. Où est l'explosif? Une minute, c'est quoi la bonne? Ah, quand il me le dira. La discrétion. Ah, ah, ah. À moi l'honneur. Merci. Chef. Oh, lui, il se lève et tout. Les Allemands ont des chars, soldats. Ouais, mec, il regarde comme ça. Mais on n'est pas équipé pour ça. Nom de Dieu. Visez les chenilles, c'est notre seul moyen d'arrêter. Je dois me concentrer. Non, non, Major, attendez les chenilles. Non, attendez. Mais il est con, ce mec. Vous m'avez déconcentré. Quel fils de pute. Mais il est concentré. Je suis un bouffon, quoi. Lucas. J'allais tirer, hein. Ah, carrément! Ah ouais, je peux voir. Oh lui, mais gros, fallait faire basketteur, frère! Je vois pas les mecs. Ouais, y'a aucune balle dans ce truc. 33-6, hein. Je vois rien. Je vois rien. Littéralement, je vois que dalle. Aïe. Wow! Je prends des grenades, des Semtex. Ça marche bien ces trucs là, hein. Attends, je prends une MP40 là. Oh non, j'ai pris quoi? Je vois rien. C'est de la merde cette arme, merci. C'est mes potes, ouais. Ok, je prends les Semtex. Oh, plus vite, hein. J'ai du mal à voir qui est qui, hein. Eh, doit y avoir un nombre de team kill dans la vraie guerre. Dans ces deux guerres-là, première et deuxième guerre mondiale. Un nombre de mecs qui tuent ses propres potes, c'est insane. Ouais.
Ah, c'est mon pote. MP40, je prends. J'ai déjà une. Voilà, un fusil d'assaut et un PM. Nickel. Ah, il y a une STG, ça me tente. Hein. La STG, c'est comme très fort. Hein. Ils auront plus de balles d'STG qu'autre chose. Oula, bonsoir. Ping. Ouh. Allez, allez, il faut tirer un moment. Faut tirer avec les armes là. Ses pneus sont crevés. Il est pas allé loin. C'est un simple raid, mais la moitié du matos qu'on voulait est parti en fumée. Major, il reste un camion en bas de la crête. Eh ben, prenez des rats et rattrapez-le, Jacob. On y va. Ils sont bons pour renifler la poussière. Eh, hey, nique ta mère, toi. Pardon. Ça... J'aurais dit ça dans cette situation, vraiment. Exactement les mots que j'ai dit, je pense. Ok, alors toi, il est où là? Je vais te la coller. Hein. C'est la guerre, je dirais. Je te tire avec le STG, comme ça c'est des balles allemandes. Comme ça ils diront, voilà, il s'est fait tuer par l'ennemi. Ah bon? Voilà, plus de survivants. Il y a un sniper? Faut que je le prenne, c'est ça. Il est là, il est posé là. C'est pour le prendre. Hein. Ouh, c'est une belle lunette. Let's go. Clairement. J'ai entendu. Il appelle qui ? Oh, ils sont beaucoup, hein. Attaquer l'avant-poste. Mais je dois le faire, là. Oh, la collate, j'aurais pu. Bon, allez, nique sa race. Oh, bah, je l'ai loupé, super. Pas mal, la lunette, elle bouge beaucoup, hein. Ok. Oh, je suis une bite. Ding ! Dans le casque. Aïe. Qui m'a tiré dessus ? Pas lui, en tout cas. Ah ! Ils sont où ? Qui me tire de... Ils sont là ? Ok. Hein ? Merci. Attends, je flash alors. Vous crevez-vous ou c'est comment là ? Ah oui, je suis en commando, faut pas que je fasse n'importe quoi là. Il me tire un truc lui, hein. Alors ? Il meurt jamais ce gars. Allô ? Ça tire, y'a plus de balles. Super. Bon, vas-y, moi c'est la... Voilà. Merci. Ni comme ça qu'on gagne une guerre. Eh, franchement, ce call off, les gars, il est super enfantin. C'est-à-dire, c'est comme si, c'est comme des gosses, ils verraient la guerre, genre. Ah, ah, trop drôle, nanani, nanana. Tu vois, ça me vénère, frère. Ils font des blagounettes pendant que ça tire et tout. Je déteste. T'es mal, lui. Enfin bref. Je vais me taire. On va finir ce let's play. Les Boches viennent d'envoyer une fusée, les renforts vont appliquer. Non, on retourne à la base. On prévient le major. On peut pas le prévenir si on sait pas ce que c'est. Ce serait ce qu'on pourrait appeler une très mauvaise idée, Jacob. Let's go, motherfuckers. À partir de maintenant, il va falloir être plus discret. Comment ça, plus discret? Rien à foutre, mon pote. Lucas, t'es bien ou quoi? C'est quoi ça? Garde des armes. Je garde ça ou pas? Allez. Ta gueule! Cette route devrait nous mener tout droit au campement. Ok, on y va. Oula. Ah bah super. Quittons la route, Sam! Frodon! Quittons la route! Bah, super! Oh, bah, d'accord! Il y a des types là. Je suis à 250 mètres. Oh. Je dois aller discrètement, c'est ça? C'est pas mon délire, hein, je vous dis direct.
Oh, ce silencieux il marche bien, hein, c'est. Hartung! Il y a les deux types là-bas. Oh là là. Discrétion, hein. Discrétion, discrétion, les gars, discrétion. Aïe. Discrétion, les mecs, discrétion, discrétion. Surtout la discrétion, les gars, surtout. Oh, j'ai mis un coup de couteau. What? La discrétion, les gars, hein. Surtout la discrétion. Voilà, la discrétion. Lui, il a compris la discrétion. Ça va, mec? Ça va, le gars? Voilà. Surtout, faut rester discret. Ça va, mec? C'est complètement con. Complètement con, l'IA. Les gars, j'ai joué à Halo Reach hier. L'IA est mille fois mieux que dans ce jeu-là. Je comprends pas. Le truc a 10 ans. T'es ma ce gars. J'étais là. Ça faisait 20 secondes. Il a rien fait. Ah là c'est bon, là je balance là, hein, frère, là j'ouvre ma gueule là. Moi j'ai vite compris que jamais je serai un vendu. Jamais. On peut me donner des PC, des jeux, des trucs machin, je dis la vérité, point barre. Le jeu il est éclaté, je vous le dis, c'est tout. Le jeu il est super, je vous le dis. Je vais péter de bugs, je vous le dis. Je fais pitié sa race, je vous le dis. C'est pas possible, je peux pas faire autrement, j'arrive pas, c'est trop d'honneur pour moi-même. Tête de nœud. Laisse-moi passer là. Je dirais pas non à un verre. Demande à ton pote Hams, il a tout ce qu'il faut. Quoi? Il a jamais partagé sa super flasque avec toi? Il y en a assez pour tout le monde. Il tient pas l'alcool. Promis, si je mets la main sur cette fichue flasque, je paye ma tournée. Attends, je vois de la lumière là-bas. Putain, ils sont en short hein, quand même, hein, c'est bon. Je crois bien qu'on a trouvé le campement allemand. Super. Échapper aux Allemands. Faut tout faire péter. Laisse-moi rentrer, Death Wilmot. Ils sont passés où? Ils doivent être à notre recherche, j'imagine. Mais quoi ça? C'est quoi ça? Une liste de courses. Regarde. Je crois que le type à gauche, c'est Romer. C'est qui ce petit enfoiré? Sérieusement? Il nous connaît. Visiblement, c'est trop difficile pour toi. Très drôle. Ils sont tous là. Ils parlent à voix haute, les gars. Une tonne de trucs pourraient exploser. Alors, qu'est-ce que tu proposes? T'es mal, tout est enfantin. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? T'es mal, ça rigole et tout. Ça me vénère, frère. Un dépôt de munitions droit devant. Un dépôt d'essence à droite qui demande qu'à exploser. Je suis censé faire quoi là? Y aller discrètement ou y aller en mode bas les couilles? Parce que franchement, moi c'est vite vu. Hein. Discrétion, tu sais ce que j'en fais, mon pote. Hein. Attends, on va changer, on va prendre ça. On va tuer les mecs qui sont là-bas. Oula, oula, le recul de dingue. Oh, le recul de malade, frère. C'est quoi, c'est... Ah ouais, c'est un SMG avec une lunette de. Putain, tu vas la mettre ta tête là? Mais ça pète ça. Vas-y, j'ai pas le temps moi. Hop là. Où sont-ils? Placez les explosifs. Très bien. Je sais pas, je fous ça partout. Tour de guet. T'es mal lui là. Tes mains, ils sont éclatés. Y'a tout le monde qui est éclaté dans ce jeu, frère. Faut faire péter quoi là? Y'a des types qui m'attendent. Oh, c'était le même bruit que. Ah, bah que dans Warzone. Voilà, c'est les mêmes portes que dans Warzone, le même bruit. Comme ça là. Wow. C'est quoi que je dois faire péter là? Ah merde, c'était pas ça. Vite, prends ça s'il te plaît, je peux plus, ça marche. Peut-être que je parte là. Ouais, c'est bien, ce serait bien, ouais. Fais plus vite, parce que là je vais exploser en fait. J'ai cru que j'allais péter.
Oh la STG. J'ai du mal à voir ce qui se passe hein, dans le désert là. Alors vous ça va être pire les gars hein. Regardez que quand je fais des kills hein. Que quand il y a un hit marker, c'est bon, ça suffit. Tu vas te faire exploser de l'intérieur. Faut tout faire péter non. Bonsoir, ouais le même bruit de porte. Ah salut ça va, bande de campeurs. Donne-moi ça toi. Si on était sûr, putain. Donne-moi des... Théma, ils mettent les trucs explosifs à côté des trucs qu'il faut pas péter. Ils mettent des explosifs à côté de tous ces barils. Bonne idée les gars, bonne idée, bonne idée. Fallait que je parle plus vite. Oh, super mécanique de jeu, génial. On s'amuse tellement. Regarde-moi, regarde-moi eux, regarde-les-moi eux, hein. Ça va les gars? Est-ce qu'ils réagissent? Théma, il m'a mis un beau coup. Hein. Alors comment je peux changer? J'ai envie de leur mettre un... Voilà. Oh il a lâché sa grenade. Est-ce que ça... Voilà. Bon, allez, ça suffit de faire des bêtises là. Ah, ok. Ouais, une seule, ça suffit. Ah, ils m'ont mis un timer en haut. Pour bien que je comprenne cette fois qu'il faut partir. Magnifique. Ah merde, j'ai pas fini le char là-bas. Oh, tout le monde descend. Oh merde. Eh, je suis vraiment en difficulté difficile là. Mais c'est un délire hein. Gros, je me balade gros. Je me balade, c'est la petite balade quoi. C'est lequel de... Putain, il t'indique de loin, mais quand t'arrives de près, tu peux plus voir c'est lequel de truc que tu dois péter. Je sais pas, c'est ça. C'est quoi, c'est ça. C'est ça, c'est déjà pété ça. Qu'est-ce que je dois péter les gars? Oh, faut me dire. Regarde, je m'éloigne, il va me dire. Ok, moment crucial, on va voir si c'est bugué, j'ai refait toute la mission, ça m'a pété les couilles. Théma, comment il est perdu lui, putain, waouh. Allez, s'il te plaît. Yes, je crois que ça a pété, hein. Yes, ça a pété. Oh, c'était bien bugué. C'était bien bugué, nickel. Let's go, on continue. G43. Oh, pas mal la cadence. Hein. Oula! En multi, ça peut être pas mal hein, si ça touche shot. Hein. Attendez, vous entendez ça? Merde. Au secours! Allez, quoi? On se casse? Abattez le. Bah ouais, il me faut ça là. Ça recharge pas? Ah, ça surchauffe, ok. Ok, je vais me le faire. Qu'est-ce que je fasse? Eh, mais gros, il surchauffe en 2 secondes le truc. Hein? Ça surchauffe en 2 secondes! Théma! Ce truc surchauffe moins vite! Merde, excuse-moi. Bouge, putain, bouge!
C'est ça que je dois faire? Il fait demi-tour. Oui bah... Il va péter ou... Faut attendre qu'il... Ça va, on se fait pas trop chier. Oh. Allez, détruis-le ! Mais t'es marrant toi. Oh, je l'ai touché encore. Quand il veut, il pète ce truc, hein, je me... Ils nous regardent même pas les ennemis quoi. T'es mal, lui, il est en plein milieu comme un... Sur leurs propres installations, il est tombé le... C'est le désert, il faut qu'il tombe sur les balles. Un soldat australien et un... Ah, c'est déjà fini ? On laissait à Rommel un énorme cocard. Leurs actions ont dû leur valoir une médaille et même un brin de respect. Mais Hams n'était pas de cet avis. En récompense, ils ont fait un petit séjour en cellule. En revanche, tout ce qui intéressait Richter était le lien entre Rommel et Freisinger. Cet idiot a écouté Lucas aussi longtemps qu'il nous fallait. Ok, c'est fait. J'ai compris, tunnel. Et il a dit quoi d'autre? Nous avons très peu de temps. Dites-moi, qu'attendait Freisinger de Rommel? Je pensais que c'était notre équipe qui vous intéressait. Répondez immédiatement, notre marché ne tient plus. Ok, ok. Va falloir se détendre le slip. Lucas s'est débrouillé comme un champion. Il n'avait rien à dire de plus à Richter que les mensonges que les nazis lui avaient déjà servis. C'était le Troisième Reich. Leur réalité était une illusion. Certains auraient pensé Lucas incapable d'un tel miracle. Mais en fait, il a tiré la chance. On dit que la foudre ne tombe jamais deux fois au même endroit. Et pourtant, Lucas a réussi à se trouver à Tobruk puis à El Alamein. Tout le monde savait pour la victoire des alliés en Afrique du Nord. Mais elle n'était pas due au commandant britannique ni au puissant char d'assaut. Lucas détenait l'histoire cachée et Richter gobait tout. Ah, c'est reparti encore. C'était court tout à l'heure. Aujourd'hui, je dois sentir la promotion arriver. Après tous les renseignements qu'on a donnés à ce con, il nous pond ce plan de merde. Aucune chance que ça fonctionne. Jacobs, qu'est-ce qu'il dit? Oh, vous remercie personnellement toi et Dez de vous investir autant. À te faire voir. C'est le roi et la patrie. Toujours le roi et la patrie. Nom de Dieu, c'est bien ce que je pense. Mais où t'as trouvé ça? Traînez par là. Non. Si il t'attrape avec ça, t'es mort. Et pas santé. C'est parti, mon kiki. What the fuck? Merde. Ouais, frère, si je voyais quelque chose aussi, peut-être que je pourrais l'éliminer. Ah.
Où est passé ton esprit d'aventure? Il a dit ça. Ils sont alignés comme des teubés là. Je veux bien. Si je vois quelque chose. Oh là là. Mais il est pas mort lui. Je vois rien frère. Hein. Il me donne le pire gun de toute la planète. Ok, donnez-moi une mitraillette. La merde, donne-moi ça toi. Et vrai, je vais faire plus du sale avec ça que avec mon. Non plus. Trop loin. Plus de mon âge cette connerie. Qui tire? Mortier? Oulala. Ouais, je veux bien. Donne-moi ça. Tu me donnes une STG, j'y vais. Super, Cimer. What? Oula. Oula. De ce que je me disais. Oh, il m'a bien bolossé. Hein. T'es une grenade et après je m'en fume, tire dessus. Aïe. Et merde. Ça va tuer personne, hein. Eh, hey, calme-toi, toi. Oh, c'est de la merde, ce gun. Hein? Bon, rien à foutre, voilà. Ah. Attends, STG. Bastos, give me Bastos. Ah, voilà. Merci, tout ce que je voulais, c'est ça. Mais toi, occupe-toi, toi! Si je pouvais voir quelque chose dans cette campagne là, putain de merde. Hein? Mais gros, ils sont combien là? Oh merde, prends-la. Et bah. Bon bah un par un hein. Ils sont beaucoup là hein. Qui quoi? Ils sont beaucoup là hein. Je vois rien gros, c'est un délire hein. Dans cette mission je vois que dalle hein. Vise, t'en supplie, vise. Et moi je suis mort. Eh hey, vas-y, je me prends les pieds dans des planches là. Eh hey, frère, on a une armée contre nous, gros. C'est un bataillon, mon pote. Fucking bataillon à moi tout seul. Vas-y. Je suis là. Jacobs, passe. Yes. Oh,
Waouh! Ham s'appelle ça une avancée. L'infanterie allemande a pris d'assaut nos chars. Alors on a qu'à attaquer leur infanterie. Ouais, on va se balader tranquillement au milieu de toute cette dévastation. Après tout, on n'est pas là pour enfiler des perles. Ok. Par ici, allez! Dans la tranchée, vite! Franchement, pour l'instant, rien ne vaut la première mission à Moscou. Ouh, de la poudre d'humain. De quoi ça? Double canon. Oh, il me pousse lui. Alors, c'est quoi ça? On me le donne. The fuck is this? Ça c'est scripté, juste pour pas que j'avance, ça me vénère. C'est dans toutes les campagnes depuis Call of Duty numéro 1. De la merde cette arme, elle a beaucoup trop de recul. Et un viseur éclatax. Mais je vois rien. Dites pas c'est la guerre, c'est comme ça. Ta gueule, c'est un jeu. C'est bon. Ok, ok, ok. Ok. Je peux tuer 30 mecs, mais il y a un gars, il me tue. Nettoyez cette tranchée pour que nos chars puissent passer. Premier mec qui s'est visé de toute l'arme. C'est lui là, tiens, crève, t'es mort. Attends, donne-moi une autre arme là. Artoum, ouais, Artoum. Je sais pas qui sont les Allemands. Si... Ah ouais. Oula. Qui est-ce? Oula. Tes mains, ils me regardent, gros. C'est un délire, hein. Ah, MP40 avec chargeur. Aïe, 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 aïe. On les a fait fuir. Avancez. Oh merde, c'est moi qui étais. Je sais pas, j'avance. C'est un ennemi là? Ouah, c'est des ennemis eux! Frère, tout le monde est en beige! Ah, tu le sens là que ça commence à me trigger là, cette campagne de merde là? Quoi, comment? Tu sais, on sait pas, tu vois, j'ai tué mes potes. Et on ne le saura jamais. Seul moi, je le saurai. Ils tirent sur nos bombardiers! Téma, ils restent comme ça plantés là, en plein milieu, là. Regarde-les, là! Il y a des tanks devant moi et c'est moi qui avance. C'est moi, je dois avancer, frère. C'est fini? Tant mieux. Vraiment une mission de merde, hein.
casse. Avec toi, mec. Je vais bien, ça va. Je vais bien, j'ai mes deux tympans explosés, mais bon. Je vous ai donné un ordre. Formez un périmètre, protégez le blindé. Monsieur, j'espère que vous déconnez, là. On va tenir la position. Notre soutien aérien est foutu. Si on se débarrasse pas de ces canons, il n'y aura aucune position à tenir. Vous avez vos ordres. Rien à battre des ordres. On prend cette colline. Tout seul? Ouais, rien que nous deux. Call of Duty. Moi et Death, contiens-moi. Tenez, prenez ça. Détruisez ces foutus canons, puis lancez cette fusée bien haut. Ensuite, j'appellerai nos bombardiers. On va pas, ils viennent pas de dire que notre soutien aérien est mort. J'espère que Jacob et Louis résisteront. Ah, il m'a donné un gun, là. Putain, donne... Oh. Voilà, donne-moi ton arme. Il l'a prise, il l'a mangée, ok. Ah, voilà. Eh, vas-y, j'avance, c'est bon. Super. Oh non, c'est un gag cette mission, c'est un gag, frère. Putain, ça fait 54 minutes que je tourne la vidéo, les gars. Ouais, j'ai dû recommencer une vidéo une putain de séquence de 20 minutes là. Je vois pas. Tiens, c'est le. Il y a trop de sable sur cette mission. Pas mal cette arme. Je pense pas en multi, mais. J'ai déjà plus de balles, super. Oh, je suis mort. Je suis pas mort encore? What? Je suis pas mort. Genre là, je suis pas mort. Genre lui là, il va pas me tuer lui. Ok. Faut neutraliser cette mitrailleuse. Ok. Ah, je tire sur mon pote. Elle me saoule cette mission, les gars. Elle me saoule cette mission. Les mecs, ils campent là. J'en ai marre de cette mission. Je me fais chier. J'ai pas envie de tryhard. On doit tuer 50 milliards de personnes à nous tout seuls. Me tire dessus. Bon, allez. Oh, je meurs plus, c'est bon. Toi, t'arrêtes de camper. Oh là là, ça campe dans tous les sens. Bande de campeurs! Pourquoi y'a pas assez un. Une croix. C'est pas une croix gammée? C'est pianté nazi, non? Je sais pas, hein, je demande comme ça. Je sais pas trop. Hein. Une. What the fuck? Wow, c'est quoi cette lunette de mal. Oh, t'es marrant. Mais regarde-le, lui, là. Quoi? Ah, il y a un habit spécial lui. Putain, si, c'est la déconnade, frère. C'est la déconnade, la guerre. J'en étais sûr. Putain, ils m'ont déjà fait tout à l'heure ce truc là. Oh putain, mais c'est des campouses, frère. Ils sont là. Ah, on attend. Oui, bah c'était peut-être comme ça dans la vraie. M'en bats les couilles, c'était comme ça dans la vraie guerre. Ne fais pas d'illusions. Dira à tout le monde que c'était son idée. Boum. Merde, c'est pas passé. Qu'est-ce que je fais? Putain, un coup de shotgun, il me t'es mal lui là. Il s'est bouffé une balle lui. Ah non, c'était un de mes ennemis. Merde, ces canons sont immenses. Ah.
Ça va, on s'est fait toute l'armée tout seul. Dès que j'aurai envoyé tous les Boches à 1 km à la ronde pour appliquer. On va devoir les repousser jusqu'à l'arrivée des bombardiers. Aide-moi avec cette mitrailleuse. Tu peux la porter tout seul, connard. Je veux bien que ça fasse 30 kilos, mais 30 kilos, c'est 30 kilos, quoi. Bon, ça fait peut-être un peu plus. Pensez que ça fait combien de kilos, ce truc-là? Ah oui, il y a les plaques de fer aussi. Ça doit rajouter un bon 5-6 kilos. Ouais. Mais c'est bien, reste là. T'as appelé les bombardiers, maintenant. On reste là? Ouais, bois un coup, vas-y. Allez, allons-y. Lui, en 2 secondes, il a mis ses lunettes, son masque. Ah oui, ah, oula. Ah merde, mauvaise touche. Aïe. Et je dois faire quoi, moi? Défendez. Mais il s'est bouffé une balle, le gars, il est sérieux? T'es sérieux, mec? Ah, mais si c'est moi qui fais le boulot de la mitrailleuse. Ah, il y a un joli trou, là. Sur la droite? Ok. Ok, ok, ils vont bouffer ma MG, t'inquiète, t'inquiète. Allez bien la MG, hein. Qui? Lui là-bas, lui. Oh là! Ça décarpille, mon pote. Quand tu veux. Ta grand-mère à droite aussi. Putain, c'est trop fort cette arme. C'est une cadence de tir de malade. Donc dès que tu vises. Ah, il me l'a envoyé dans la gueule, ce bâtard. Qui ça? Il est au milieu. Il est au milieu. C'est un délire. Rats. Un pas. Panzerfaustramfreit. Un schrunkrein. Je gagne. Et accélère si tu veux me rattraper. Oh, oh. Panza. Comment ça retourne dans la mission de quoi? Je fais quoi là? Panza Shaft, Rai. C'est moi où je me fais allumer la gueule par ce fils de lâche. Ah ah, par lui, Tema, il me tue pas. J'ai tué combien de gens là? 800? Oh non, me dis pas. Donne-moi le Panzerschaft. Je l'ai loupé, frère. Vous savez que cette arme là, le Panzerschaft, ça ne se recharge pas. Hein. C'est pas une arme qui se recharge. Ok, pourquoi je suis mort là? Difficile d'imaginer un monde meilleur quand celui-ci, on est fait autant de bruit. Ok. Où sont ces bombardiers? Ils ont intérêt à appliquer tant que je suis en tête. C'est pas toi qui gagne. Je gagne. Et accélère si tu veux me rattraper. Lucas, des Alphac sur la droite. Et moi. J'abuse. Je suis pas assez basien. Je suis pas assez basien. Je vois rien. Je ne vois pas ce qui se passe. Allez, je tourne des grenades aux voisins. J'ai tué personne, chef. J'ai tué un mec au hasard. Il fait quoi, lui? Eh, vas-y, je finis cette mission. Qui me tire de où, là? Oh, je vois rien, gros. Où ça? T'es mal, il est bugué la balle. J'ai plus que 22 balles. Ça sert pas à grand chose que je charge. Mais on va les tirer quand même.
Putain, merde. Là, j'ai plus de balles de rien en fait, là c'est bien. Ah, il y a un char là, c'est chaud là. Qu'est-ce qu'on branle là? Il faut se barrer en fait là. Oh là 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 là. Il est mort. Ah, il est mort. Je suis censé faire quoi tout seul contre l'armée allemande? Je sais pas, je demande. Hein. C'est bon, ils sont morts. Toi aussi, t'es mort. Jacob, s'il a vu ta fusée, Ness. Tu m'as battu, Ness. T'es mort, toi? Tant mieux. Parfois, la seule façon d'honorer un soldat mort est de terminer la mission. Mais difficile de penser à ça quand vos bottes sont encore tachées de son sang. C'est ce que j'ai dit à Lucas quand je l'ai rencontré. La guerre nous a appris ça. La stricte hiérarchie du commandement allié ne voyait que les défauts de Lucas. Insolent, grossier, habitué des séjours en prison. Il était parfait pour mon équipe. Même s'il est vrai qu'il a un sacré crochet. J'espère qu'il l'a mis KO. Hein. Ok les gars, fin de cette mission et ton mieux. Ah, c'est pas fini. Lucas a joué son rôle à la perfection. Il a poussé Richter à douter de tout ce qu'il pensait savoir. Il sera l'ami. C'est vrai, parce que vous avez l'air blanc comme un linge. Une minute. Il n'a jamais été question de gagner la guerre. Il n'en a jamais été question. J'ai toujours pas compris l'histoire. J'ai peur qu'on finisse tous les deux en chair à saucisse. J'ai retenu une chose de la stratégie des alliés, la redondance. Toujours avoir un plan B. Les soviétiques envahissent la ville. Alors Lady Nightingale sera mon atout. Je la leur remettrai contre mon évasion. Eh ben ça, c'est un sacré plan, Fritz. Ça aurait pu marcher. Il a un couteau sur lui. Sacré Wade. Ah bah voilà. C'était aussi simple, franchement. Le mec, ils l'ont même pas fouillé, frère. Non. Pitié. Pitié quoi, toi? Je vous laisserai partir. Bon, bien sûr. Vous croyez nous avoir divisés? La redondance, l'ami. Toujours avoir un plan B. Vas-y, termine le taf. Bah non, c'est Call of Duty, il faut pas non plus, tu vois, abuser. On vient de m'en informer. Nous pouvons quitter Berlin sans risque. Trois ans. Ça fait longtemps que nous attendons ce moment. Nous avons subi des pertes. Rommel, Steiner, Hitzel. Mais j'ai tenu promesse. Project Phoenix va réussir. Hitler a payé cher sa faiblesse. C'est cette image que l'histoire retiendra de lui. Un raté. Et un lâche. L'armée rouge sera bientôt ici. Et Berlin brûle. Ils sont contents. Mais depuis ces cendres s'élèvera
notre vision d'une nouvelle grandeur. Au quatrième Reich. Hé, patron, le plan a fonctionné. Mais tuez-le, non? Salut, mon vieux. Vous me remettez? Je crois que tu t'es fait un fan. Qu'est-ce qu'on fait de lui? J'ai bien quelques idées. Je me suis dit que tu voudrais t'en charger, chef. Il y en a un qui va dire non. J'en étais sûr! Ah non, c'est lui. C'est votre chance. Je suis sûr qu'il va pas mourir. Je peux vous fournir les preuves. Non? Tu as déjà joué ton rôle dans la fourchette éternale. Ah, c'est bien. La clavicule. Ok, c'est bien. Je pensais qu'il, tu sais. Ça, c'est pour Richard. Tu sais, des fois, Call of Duty, c'est Disneyland, tu sais. Ah, oh, c'est bien. C'est réaliste. Enfin, c'est réaliste entre guillemets. Ah, elle met sa propagande. Elle met le Nightingale sur lui là, ce serait pas mal. Nickel, si si c'est bien ça. Adieu petit rat. Au revoir Mary. Ou alors on fait les Américains. Enterrer le Reich pour de bon. On s'en sortira peut-être pas vivant, mais les nazis non plus. Quoi qu'on fasse, on le fera ensemble. Reisinger ne quittera pas Berlin. J'imagine que mes gâteaux devront attendre. Wade. Hey, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de tuer un Führer. Je peux pas refuser. Tout est dans la rigolade, frère, c'est un délire. Elle était pas mal cette scène. Même si c'était très héroïco-américano-hollywoodano. Mais c'était marrant. Stop, stop, stop. Ça, c'est le prochain épisode, les gars. C'était le prochain épisode. Lâchez un petit like si t'es arrivé jusque-là, ma gueule. Parce que longue vidéo. Hein. Et puis, bah moi, je vais enchaîner. Hein. Donc, vidéo demain ou après-demain. Allez. Salut.